J'aimerais parler de ton équipe un peu plus. Mm -hmm. euh, ça s'est passé comment la première fois que tu as décidé justement d'ajouter de, de, un, un team member, de, de passer à purement travailleur autonome mm -hmm. à quelqu'un qui a une équipe, une business? Te souviens-tu, ça a été un déclic ou c'est arrivé organiquement, graduellement? Um, ben moi j'étais genre que je me trouvais comme un peu des idoles. Fait comme si je me trouvais des gens de la région qui faisaient bien ça. Puis j'étais comme ok, euh, eux autres sont rendus à ce point-là. C'était quoi leur point A, B, C, D, comme un peu stratégique. Sure. Puis si les autres, ils réussissent bien, bien, ils ont fait quelque chose de bien, fait que c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer de leurs actions. Hey, oui. Parce que comme, ben ça fait du bon sens à mm -hmm. un moment donné. Mais aussi, j'ai un peu réalisé que, encore c'est pour ça que les médias sociaux sont venus un peu dans ma tête, mm -hmm. c'est facile de publier en ligne, puis d'avoir de l'air comme tout est beau, puis que ça va bien, puis que tu en as beaucoup, mais mmh. que sincèrement peut-être c'est moins busy t'es juste vraiment bon en marketing <laughs> All right ben oui fait que là je me donnais la mission qu'à chaque fois que je, je, je regardais quelqu'un comme qui devenait un idole à mes yeux mmh. je devais les rencontrer que ce soit de comme booking mmh. séance avec eux does this hold up ouais ou juste de voir je veux savoir qu'est-ce qui te rend spécial mm -hmm. pour que je puisse un peu, peut-être, apprendre des choses que tu fais que j'aime pas ou vice-versa, ouais. peut-être des choses que moi je dois adopter. Mm -hmm. Fait c'est un peu en, en regardant autour de moi, voir, à qui qu'est-ce que les gens font pour que ça devienne un job à temps plein. Parce qu'il y a aussi, bien, les artistes qui font ça temporaire, comme hobby, peu importe. Mm -hmm. C'est pas facile d'être mm -hmm. un artiste à temps plein. <laughs> C'est pas regardé tant quelque chose de sérieux non plus mm -hmm. par la majorité du monde. C'est difficile à convaincre. C'est ça, exactement. Oui. j'avais été moi, la première fois que j'ai eu une, comme moi, ouais, un associé, là, comme quelqu'un qui représentait ma compagnie, c'était l'année en 2016. Fait que ça m'a pris à peu près un an. Euh, parce que j'avais réalisé que j'avais deux personnes qui voulaient pour la même date. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, je ne peux pas juste dire non. Hmm. C'est plate parce que, comme je sais, s'ils vont quelque part d'autre, ils vont pas avoir la même expérience que s'ils l'auraient faite avec moi. Parce hmm. que moi, je care. <laughs> ouais, ben mais, que... mais là, il faut que tu donnes cette expérience-là sans être là pareil. Exactement. Comment on choisit cette personne-là? Ben, tu en rencontres, tu travailles avec, puis tu vois s'ils ont les mêmes valeurs que toi. Fait que j'avais fait comme un peu un trial run, tu t'amènes des. Oui. J'avais trouvé d'autres personnes à travers Facebook, tu leur jases, puis c'est mm -hmm. facile à voir qui a des, des valeurs similaires. Right? Ben pour toi, ça l'est, clairement. Oui. <laughs> tu as un talent incroyable à apprendre à connaître les gens rapidement. Ben, merci. Non, mais c tu vois c comment utile que c'est. <laughs> Puis par-dessus ça, en plus, euh, par-dessus ta grande empathie, une grande humilité, parce que la première affaire que tu as faite, c'est Who's better than me? Un peu. T'sais, là, oui. je vulgarise, mais, mais, mais à la base, vraiment... c'est un peu ça. Qui sont dit. mes idoles? Tu... Je pense que ça, c'est toujours une tactique très gagnante de s'entourer de potentiels mentors. Mm. Right? Oui. Réaliser que ils ont plein de choses à offrir que toi, tu n'as pas, mais qui ont aussi leurs défauts comme n'importe qui d'autre. « If you're the Donc, smartest one in the room, you're in the wrong room. Ouais, » <laughs> <que tu>, Exactement. <laughs> C'est parfait ça parce que tu en apprends d'eux autres, tu en apprends sur toi aussi.